Bon, ça c'est simple. C'est son machin vert là, je sais pas c'est quoi et comment le choper sans me prendre de dégâts en fait. Ok, ça c'est fait. Raté. Raté. Mais oh là là, elle est chiant. Oh. Voilà, ça c'est fait. Ah, raté. Voilà, ça c'est fait. Là, il y a le marteau. Oh putain. Ok, ça c'est fait. Putain, mais... Putain de boule de merde! Putain de machin vert. C'est bon. Il me reste qu'un point de vie, quoi. Et puis il n'y a pas d'objet de soin surtout, c'est ça le pire. Si le machin vert là avec le marteau il m'emmerdait pas autant, je perdrais pas autant de vie en fait. Ok, ça c'est fait.
Ok. Après. Bon, le machin vert. Ah, raté. Ok. Putain. Putain, elle est chiante de me le bloquer. Ah, raté. Mais je comprends pas pourquoi il y a des moments. Il marche très bien, il y a des moments, il marche plus. Là, il m'a tapé, mais ok. J'ai perdu vachement de temps hein, avec son truc. Marteau, on s'en fout. Putain! Ok. Mais ton machin vert, je m'en branle. Le canard. Je crois que je vais m'arrêter là, ça me saoule. Faudrait que je regarde en fait comment on passe les machins verts sans se faire toucher en fait.
Ok, c'est pas ça. Ok. Ok, là elle va me faire le marteau. Ok. Raté, bon. Ok, là le marteau. Putain! Ok, ça c'est fait. Maintenant, Méli-Mélo. Non, pas le marteau. Oh yes. Oh yes, j'ai passé deux phases d'un coup. Ah, je me suis moi-même touché. Ok. Ah, raté. Non! Ah, elle m'a tapé. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, j'arrive quand même jusqu'au boss de fin, tranquillou. Quinze secondes pour la première phase, ça va. Ok, bon. Merde. Ok. 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 Marteau. C'est la phase la plus chiante et longue en fait. Merde. Putain! OK. OK.
Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Remarteau. Mais putain, là, je suis pas le marteau, con. Conno. Ok. Maintenant, Millimélo. Raté. Ah. Putain. Ok. Ah, raté. On a fini le jeu. Bon, on n'aura pas eu tous les trésors, mais... Sur 12, 9 sur 12, ça va? Ouais, des montagnes d'or! On a gagné! Je suis trop fort. Ah voilà, j'ai persévéré, j'ai gagné. Ah, je suis content. Ça faisait longtemps, j'étais pas sûr de pouvoir le gagner ce jeu. Vite, petit chat, vite! Petit chat, je t'ai sauvé. Oh mon Dieu, tu étais une princesse. Ouais, j'ai sauvé une princesse. J'ai eu mon bisou. Thank you, Mario. Mario. J'ai eu un bisou. Oh mon Dieu! Elle va où? Des petits anges? C'est la princesse des anges, je sais pas quoi? Ouais!
Et vu go! Hop! Yeah! Yeah! On a fini le jeu, on a fini le jeu, on a fini le jeu, on a fini le jeu. Ah, je sais, je suis fou. Mais j'adore ça. Mais non, mais voilà, c'est... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fini un jeu. C'est la dernière fois... Attends, la dernière fois qu'on avait fini un jeu, je crois c'est FF7, parce que FF9, on l'a pas terminé. Faudrait que je m'y remette. Techniquement, attends, si je réfléchis bien, FF9, peut-être en deux lives, on peut le terminer. J'ai eu un poisson doré. On se souvient. Il y a eu quoi d'autre? Donc FF9. Actuellement, on est sur Anuldra. On est à peu près à la moitié du jeu. À peu près. On va dire... d'après par rapport... Je me base par rapport à un autre let's play que je mets quand je suis bloqué ou quand il y a un truc que je voudrais récupérer mais que je sais pas faire. Lui, il a fait 41 épisodes d'à peu près une heure. Donc, et moi, j'en suis à peu près par rapport à lui, à son épisode 16-17. Donc, on a à peu près un petit peu moins de la moitié. Donc, on a fait 40% du jeu, on va dire. 40-45%. Donc voilà. Bah après, eh ben ça va. En plus, on va pouvoir commencer le tirage pour le prochain jeu. Ah, le nounours doré! C'était bien le nounours. Bon, j'ai un petit peu galéré avec le boss du nounours, mais il était bien. Ah là là. C'était quand même un bon jeu, hein. La sucette. Ah oui, avec les cochons. Les cochons peintres qui m'envoyaient des trucs. Encore, on les a pas trop vus. Parce qu'on a passé assez rapidement ces niveaux-là. Ils étaient assez simples, ces niveaux. Oh, une Game Boy Advance dorée. Ouais. Normalement, ça joue sur Game Boy Advance, mais bon. J'ai pas de carte de capture. Je crois que je vais le répéter à tous les épisodes. J'ai pas de carte de capture. Et c'est pas pour clémenter, hein. C'est juste pour voilà, informer que bah, par exemple quand comme je remarque qu'il y a souvent des nouveaux qui arrivent, c'est eh oh. Oh, une fusée d'or. Je me souviens pas qu'on avait une un monde avec des fusées. Ça me dit rien. Donc, pour le tirage au sort. Ah, le petit cheval d'or. Le cheval. Oui, c'était dans le monde des jouets, le cheval, je crois. Avec les horloges et tout. Si je me souviens bien. Ah. Non, moi, je pensais me dire, bon, bah voilà, à 4h, j'arrête parce que Gérard quitte le jeu. Mais, moins 10, on avait fini le jeu. Je suis content de moi, quand même. Je sais qu'à la... je laisse le générique parce que je sais qu'à la fin, il y a un petit truc rigolo. Et en fait, alors je crois que c'est comme dans Wario 3. En fonction de l'argent qu'on a récupéré, on a plus ou moins un truc sympa. Je sais que dans Wario 3, on a plus ou moins une grande maison. Quelques jours plus tard. Ouais, une voiture. Ouais, des steaks à 10$. Steak, eat as much as you can. Steak, mangez ce que vous pouvez. The end. The star. If you continue to see survey data, every boss win a reveal star over. Entry and get all. En gros,
Étant donné que j'ai eu que 9 trésors sur les 12, ça me dit que j'ai pas eu la meilleure fin. Mais voyez, j'ai fait les 6 boss. Y'a que le premier boss ou... Attends, bah on peut vérifier. Alors, le premier boss... Ah oui, on peut pas le faire, le premier boss, oui. Celui-là. On sait combien on a eu de trésors ou pas? Ah oui, on peut refaire les boss maintenant. Mais je crois qu'ils sont un peu plus difficiles. Mais voilà. Techniquement, on a fini le jeu. Bon, je coupais le jeu. Alors, fichier. Je sauvegardais quand même. Et hop, on quitte le jeu. Tudum. Je vais vous mettre... alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai en fond? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux vous mettre des images Grave Keeper. Ah, à fond No Man's Sky, voilà. En attendant. Alors, je vais faire le tirage. Le tirage pour le prochain jeu. Wouhou! On a fini le jeu! Cool! Je vais pouvoir... Alors, juste faire un petit truc. Faut que je passe sur la liste des jeux. Alors, la liste des jeux, la liste des jeux. Je l'ai mis où? Séance de rattrapage, voilà. Ligne, séance de rattrapage. Wario Land 4. Alors, on est sur Game Boy. Game Boy. Wario Land 4. Hop, on le passe en fini. Ouhou. Une note. On va l'appeler Argent sur 20. Voilà. C'est à peu près le résumé du jeu. C'est, on a gagné de l'argent. Bon, argent. Si j'écris bien, ça marcherait mieux. Argent en soi. Alors, maintenant, on va faire le tirage au sort pour le prochain jeu. Alors, you, giveaway. Et c'est le prochain jeu. Je lance le giveaway. Ouh. Enfin, il veut se lancer. Ok. Pour rentrer dans le giveaway... ah ben voilà. Steambot, il marque tout. Un tirage au sort, le vainqueur aura le droit de choisir le prochain jeu que je fais en live, dans la liste. À commencer. Les spectateurs disaient le slash point d'interrogation give pour participer au tirage au sort. Alors, moi aussi, je vais participer. Hop. Yeah! Moi, j'ai reçu 3 tickets. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent participer? Il dure 5 minutes, hein, donc voilà, on a 5 minutes pour discuter. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Parce qu'on vient de faire du Game Boy. Est-ce que... qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'aurais bien voulu faire Chrono Trigger, mais c'est pas que c'est sur NES, mais c'est que c'est un RPG. Et donc faire deux RPG en même temps, c'est pas. Alors après, on pourrait aller sur NES et faire du Kirby. Ça pourrait être sympa du petit Kirby. Vous en pensez quoi? Ou sinon, on pourrait partir... je suis en train de réfléchir. J'ai quoi? J'ai des jeux débiles, hein, aussi. Un truc qui pourrait être sympa...
On va peut-être pas faire un Zelda tout de suite. Ça, je pense que le Zelda, je le ferai une fois qu'Alundra sera fini. Peut-être un. Ah, on pourrait finir un. Comment il s'appelle? Attends. Pikmin 2 déjà. Ça pourrait être déjà bien. Finir Pikmin 2. Sinon, on pourrait faire quoi? Je regarde. Un Lucky Luke. Qui est pas mal. Reprendre Spyro. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui pourrait être sympa? Ah, j'ai un Bugs Bunny. Ça pourrait être sympa, ça changerait un peu. Ou sinon, on pourrait partir sur du God of War ou un truc comme ça. Je regarde. Il y aurait ah oui mais bon après si je fais j'allais dire je peux aussi faire du Saints Row mais Saints Row ça risque d'être un peu long à faire donc pour l'instant voilà qu'est-ce que j'aurais d'autre non je pense qu'on pourrait repartir sur du finir Spyro par exemple, ça ferait un jeu de plateforme, ça changerait du RPG. Comme ça, une fois que Spyro serait fini, je pense que j'aurais fini Alundra, ou j'arriverai sur la fin d'Alundra. Donc on pourra partir sur un autre RPG à la place d'Alundra et un petit jeu tranquille à la place de Spyro. Ouais. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. C'est-à-dire Spyro. Je vais partir sur Spyro en option. C'est-à-dire j'essaye de faire que deux jeux en même temps, hein, parce que sinon après ça chiant on va faire. Donc on pourrait finir sur Alundra Spyro. Parce que là on était sur Alundra Wario Land 4. Comme ça Spyro on pourrait le finir. Et une fois que Spyro est fini, on pourrait après attaquer Pikmin 2 ou à autre chose. Ah, quoique, attends, Captain Toad, Treasure Tracker, je sais pas s'il est très long. Faudrait que je me renseigne. Je vais regarder tout de suite. Captain Toad, attends. Captain Toad. Captain Toad. Est-ce qu'il y a des jeuxvideo.com? C'était pas ça. J'ai cliqué sur mauvais truc. Attends, Captain Toad. Captain Toad. Test, voilà. Voir ce qu'ils disent. S'il a une bonne durée de vie, alors ils en disent quoi? Il est sur Wii U. Alors, ils disent quoi? Une note. Ils donnent un 14. Ouais. Bon, on pourrait partir sur Captain Toad si ça marche bien. Après. Ok. Bon, je regarde le giveaway, on en est où? Ok. Bon, bah, lancer, choisir un. Oh, j'ai gagné. Bah, je suis un peu tout seul à avoir gagné aussi. Suis un peu tout seul à avoir participé. Donc, ça c'est cool. On va partir sur. Ah, attendez. Je reviens dessus. Alors, j'ai juste le marqué dans le chat. Le jeu choisi est Spyro the Dragon. Là, entre parenthèses, on reprend là où on s'était arrêté. Ok.
Donc, je pars sur Spyro. Alors, Spyro, je le mets en mode. Il est plus en pause. Voilà. Et voilà, le truc, il est à jour. Bon. On en est où par rapport au live? Il se fait quelle heure? 4h06? Alors, je sais pas écrire, j'ai marqué le jeu Cheesy Spyro the Dragon. Ouais, je sais plus écrire. Bon. Ok. Et eh ben voilà. Bah, je dis merci à tous ceux qui ont participé au live, qui sont venus. Bon, il y a personne qui a participé au giveaway, mais on recommencera. Sur ce, bah, je vous dis merci à tous d'avoir été sur le live et puis je vous dis à une prochaine. Salut à tous!